Bonjour à tous et à toutes, ici Nick Nico. Aujourd'hui, nous allons repartir sur le jeu Hordes pour faire le jour 4 de la communauté du Rebond Alpha. Donc le bilan de cette nuit du jour 3, c'est 4 morts. Donc Ocusei, Luffy66, Monkey Dust et Spike. Nous avons eu 138 défenses, avec auxquelles s'ajoutent 77 zombies qui se sont abattus dessus. Et donc il n'y a aucun mort, parce que le portail était bien fermé. Voilà. Donc, chien ramassé aussi, pas. Plus beaucoup beaucoup de personnes de la communauté de Hordes, surtout ceux qui ont commenté sur le forum monde, qui ont été gentils avec moi, ils m'ont soutenu, ils m'ont aussi conseillé, et ça c'est je trouvais ça très bien qu'ils m'ont conseillé. Je les remercie parce que j'avais fait une redirection sur ma chaîne pour qu'ils puissent voir les vidéos tutoriels. Pour en faire profiter en fait toute la communauté. Et aussi merci à toi la Pirvem. Attends, comment ça se dit? Ah, attends. La Pirvem. Bon. Mais enfin, merci à toi. Merci à toi de t'être abonné. C'est très sympa, c'est très. Et merci à tous de me suivre. Voilà. Bon, pour ce jour 4, nous pouvons déjà observer qu'on n'a pas assez de défense. On en a 196. Très intéressant. On a. Alors, je vais voir déjà dans les chantiers. Bon, déjà, je vais participer. Voilà. Pour le puits. Alors, oui. Voici la fonction de la pompe. En fait, la pompe vous permet de rajouter de l'eau. Et permet de débloquer l'ensemble des constructions basées sur l'eau comme il est marqué. Donc, on peut aussi ajouter de l'eau, très important. Quand vous avez ce qu'on appelle, j'espère qu'on l'a, ce qu'on appelle ça, ce jerrycan plein, il me semble que vous mettez un micro pur effervescent. Ça, hein. Hop. Oh, je vais faire une erreur, je le sens. Je vais faire une bêtise, mais c'est pour YouTube. Allez, c'est pour YouTube. C'est vraiment une belle bêtise quand même. Vous devez prendre un micro pur effervescent et un jerrycan plein et vous devez faire utiliser. Et vous gagnez des unités d'eau. Du coup, vous pouvez faire ajouter de l'eau et vous ajouter plus une unité par ration d'eau que vous avez. Vous pouvez aussi en prendre une. Alors, vous faites obtenir votre ration d'eau, mais vous pouvez aussi en faire une supplémentaire, en reprendre une supplémentaire. Je vous le conseille pas, sauf si vraiment vous êtes dans un jour. Ça dépend. Vous êtes dans un jour. Comment dire un jour spécial, parce que. Après. Quand. C'est compliqué à dire. C'est. La mort ultime, je vous l'ai déjà expliqué, mais vous avez une fonction. Tiens, on va servir un tout petit peu de LED. Je la connais, mais je me rappelle plus du nom, comment ça s'appelle exactement. Je crois c'est la fin, machin. C'est quand vraiment c'est la fin qu'il y en a. Il y a moins de 5 citoyens, il me semble. Quand il y a moins de 5 citoyens, c'est la panique. Ah voilà, la panique. Mais je sais pas si. Le chaos, voilà. C'est le chaos. Voilà, 10 habitants au moins. Donc c'est. Voilà, quand une ville. Vous sentez qu'elle est out. Enfin. Vers 10 citoyens, ça veut dire que la ville va. Forcément, ce va devoir se serrer le CUL.
Oui, parce que j'aime pas trop dire. Bon, alors il va se serrer un petit peu ce que je pense. Et il va avoir un peu plus de mal, surtout quand vous obtenez tel score et qu'on n'a pas assez de défense alors qu'on est au moins 30... 27. Voilà. Alors qu'on est au moins 27. Donc, bah écoutez, aujourd'hui nous avons construit contreplaqué, cloison en bois et barbelé. Vous devez sûrement vous dire pourquoi j'investis pas dans les chantiers. Moi je vais répondre, c'est parce que juste je préfère encore ramener des ressources que de d'investir dans les chantiers. Mais je le fais hein, des fois. Et bon, là c'est vrai que c'est exceptionnel parce que c'est rapide, c'est un petit peu rapide de mettre des PA dans les chantiers. Donc je vais juste je pose la ration. Je vais juste comment dit-on? Ah, n'importe quoi. J'ai juste rapporté les ressources. Voilà, c'était si simple. Vais prendre de la nourriture. Alors, vous savez qu'on a été dans un endroit. Oula, c'est déjà pas mal. Ah, mais vous aviez. Où il y avait pas mal de ressources importantes. Faire gaffe quand même parce que semblerait qu'il y ait quand même pas qu'il y ait quelques zombies sympas ici. Sympa ou pas sympa, je sais pas. Mais la carte c'est déjà un peu plus comme dit-on revigoré. Goré. C'est un petit peu mou quand même. Revigoré. Ah oui. Ah ouais, quand même, c'est pas mal final. Alors, en fait, pendant que je vous parle, j'ai quand même gagné un truc sympa. La sacoche usée. Ça nous donne un plan. C'est sympa, c'est sympa. Une sacoche usée. Bon, plan commun, c'est déjà un plan. Hein, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on peut quand même dire que c'est un plan sympa. Déjà, faut déjà le faire pour trouver une sacoche usée. Alors je pense que c'est sympa ce que j'ai trouvé. Bon bah on retourne. Écoute, hop. Hop, 4. 3. 2. Après je vais prendre tout ça en fait. Ouais. Tac. Tac. Voilà. Hop, on va utiliser le plan de chantier qu'on va trouver. Carte améliorée. Oh, pas mal. Ça c'est sympa. Carte améliorée qui est dans le tour de guet. Ça c'est sympa. Voilà, ça c'est sympa. C'est très sympa. En plus, il coûte pas trop de PA. Et en plus de ça, il est pas trop fort en niveau ressources. Il est pas trop gâchant. Ça aurait été pas mal quand même de faire la fondation. Bah alors d'abord, on va ramener les trucs à côté. Voilà. Parce qu'il y en a plein. Voilà. Hop. Voilà. Boire. Voilà. Je respecte pas la loi du 1 fois du boire une fois sur deux. Le problème c'est que c'est soit ça, soit
Soit vous avez une vidéo qui dure 2 secondes. Je pense pas que c'est très. Je pense pas que faire une vidéo de 2 secondes, c'est très intéressant. Mais quoi? Zone épuisée, normal. Non, c'est normal. Il y a un truc de malade, voilà. Il y a quelques ressources qui peuvent être sympas. Mais non, ressources. C'est épuisé, voilà. Pff, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas. C'est n'importe quoi, voilà. C'est n'importe quoi, c'est. Ouais, il nous restera un PA. Oh là, je suis bourré ou quoi? Il nous restera un PA. Ah non, zéro. Non, mais c'est. Je suis désolé, c'est délirant, c'est n'importe quoi. Je sais pas, non, mais. On va prendre une souche. Voilà une torche. Arme veilleur, 30 points. Je veux devenir veilleur. Hop. Voilà, 40 zombies. En plus, pour un truc. 40 zombies. Et là, grâce à ça. J'espère pas mourir maintenant. 79%. Qui ne tente n'a rien à. Et qui ne tente. N'a rien. Qui. Ouais. Qui tente n'a rien. Voilà. Quoique 205 à 280. Ouais. Je vais peut-être conseiller les gens de se mettre en veille. Veille. J4. Il vaudrait mieux se mettre en veille. Oh, pardon. Se mettre en veille aujourd'hui pour contenir la horde et augmenter les chances des veilleurs pour pas qui est à 72% ou 79. Hop, je suis encore message, on s'en fout. Ouais, et du coup on a 236. En plus, c'est rustique ça, c'est. D'annuler la pénalité aux fouilles de nuit. Je sais pas, enfin, je sais pas ce que c'est. Vache. Je suis pas vraiment un pro de ce jeu, mais vu que j'ai fait pas mal de villes, de saisons. Ah, après, je vais pas limiter à 10 affichages. C'est bête d'avoir que 397 points d'âme alors que j'ai fait tellement de villes. Alors attendez. Bon déjà le set était bien garni. Le 1 ça commençait déjà à être bien garni. Le 2 bon. Je crois bien que c'était le seul moment où voilà. Le 3. Eh, j'avais déjà atteint le pandémonium le 3. 4. Ouais. 5. Bon. Ouais, 5. Ouais, 10 jours, ça m'a vraiment. En fait, les meilleures villes que j'ai faites ont fait plus de 6 jours. Soit plus 6 jours, soit 6 jours. Voilà. Eh, mais sérieusement. Et saison 8, hop. 5 jours, ouais. Question de chance aussi. Bon.
C'est bête que les héros pas changer se modifier ce tableau-là. Parlant de héros, nous aurions perdu un héros. Le film n'était pas. Ouais, de toute façon, il était bizarre. Ah, il me semble que lui, il est. Ah ouais, c'est Volvic qui était un héros. Bah, ça sera tout pour cette vidéo. Elle était rapide, hein. Je sais pas combien de temps elle fait parce que je fais pas gaffe à l'heure. Du coup, c'est juste le temps. Juste le temps du J4 de ce que je pouvais faire. On va faire quand même un petit tour sur le forum pour finir. Ouais, voilà. Ok. On risque de pas faire la tour de. Enfin, on risque de pas évoluer l'atelier. Je pense pour moi, hein, c'est un bon remède l'atelier. Ça réduit quelques coûts en PA de tous les chantiers. Après, ils sont plus tentés par la tour de guet, mais moi je vais voter la pompe. Ouais, c'est un petit peu sûr. Ah oui, mais non. Ça sera très intelligent. Permet aux citoyens à 1 km de la ville de rentrer gratuitement. C'est vrai que, ouais. Enfin, gratuitement. Gratuitement. Sans dire que tu uses des PA. C'est toujours gratuit de rentrer dans la ville, hein, mais. Mais gratuitement, en gros, ça veut dire, ouais, ça veut plutôt dire, pas jouer mon débile non plus. Ça veut plutôt dire, ouais, tu uses aucun PA, quoi. Parce que pour venir à la ville, si t'es à 1 km, il va falloir refaire un PA. C'est toujours aussi sympa. Bon. Bon, bah voilà. Vous avez un petit peu. Alors, pour tous ceux qui suivaient mes tutos. Vous avez peut-être remarqué, mais l'intéressement, enfin l'intéressement d'une ville sur Ordès, elle a été filmée je crois du J1 jusqu'au J4 ou du J2 jusqu'au J4. En tout cas, je pense pas avoir fait le jour 1 avec vous, sauf si je l'ai fait et là, je m'en suis pas rendu compte. En fait. Dans ce jeu, vous pouvez. Alors, le truc, c'est que vous avez le choix entre faire de la rapidité, enfin être rapide. C'est-à-dire, vous investissez 18 p, vous prenez de la nourriture ou vous buvez juste et vous investissez dans un chantier, et puis point, c'est fini. Vous avez investi 12 p, vous avez aidé la ville. Pas grand-chose, mais bon. Soit vous avez envie quand même de bien aider la ville et surtout de bien jouer. Bah vous faites comme d'habitude. Vous faites 1, 2, 3, 4. Vous faites comme moi, je veux dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ils sont loin quand même. Ça fait 1, 2. 1, 2, attends. Ah. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 PA à utiliser. Vu qu'on en a 18 plus une drogue, 5,
24, 3, 2, 1, 0. 24, plus, si tu prends la tuiline, 26. Ouais. Le gars a dû camper vers là. Ah ouais, quand même, ils sont loin. Hein. Bon. La banque est bien garnie, ça va. Ah oui, bah oui. Les charmants des... Je sais pas si tu peux le faire deux fois. Je sais pas. Bon. À quoi ça sert? C'est juste pour, comme je vous ai dit, gagner un PA. Donc on va le faire utiliser. Ah, paire. Bon, ça me fait super plaisir, mais bon. Ça sert à rien en fait d'avoir 2 dés. Bon, je pense qu'on a fini, hein. On a fait le tour là. Ouais. On a été sur le forum, on a regardé les chantiers. On a regardé en début de partie déjà le nombre de morts. On a regardé la gazette, on est allé, hop. Je pense qu'on a tout fait. Bon bah écoutez, sur ce bilan de la défense, muraille de base plus 10, objet de défense plus 12, chantier plus 145. On gagne beaucoup au chantier. Gardien plus 10, bon, il n'y en a pas. Maison citoyen 19, 40 et 236 du coup. Tout le monde, ou presque, a fait les tentes. Bon. Alors, construction maison. Donc moi je vous dis salut à tous. Merci d'avoir suivi encore ce J4. Et oui, parce que faudrait que je me redonne de la pêche un petit peu, parce que c'est vrai que là je m'assoupis trop vite. Allez, je vous dis salut à tous, et pendant que je rédige ce message, je vais couper la vidéo. Pour finir sur ce message, voilà. J'espère que bah vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Là, on a atteint 21 abonnés. 21 abonnés, c'est vraiment extrême pour moi. Ça me fait super plaisir. Je vois déjà que les gens, de plus en plus, viennent regarder mes vidéos, viennent aimer mes vidéos, commentent positivement mes vidéos. En fait, il y a plusieurs personnes. Je commence vraiment à me rendre compte que y a beaucoup de monde qui commence à venir à s'intéresser à moi, quoi. Voilà. Ça me fait super plaisir. J'ai 8045 vues à ce jour. La classe. Ah, ça claque. Et ça me fait super plaisir. J'ai quasiment vers 1 sur 1, 2 ou 3 jours, j'ai entre 1, 2, 3 jours, j'ai 50 vues. Donc vous imaginez par mois combien ça fait de vues. Et là je mens pas, j'ai regardé mon rapport, et sauf quelques jours où il y a quand même, enfin sur un phénomène de 3 jours où il y a, bon, petite baisse de vue parce que j'avais pas mis en ligne les vidéos, et ben sur de août à septembre, le 18 jusqu'au 2 août jusqu'au 18 septembre, j'ai eu juste un petit flop et sinon beaucoup de vues. Et ma moyenne du coup s'élève à 1 sur 3 jours, voilà, de 50 vues. Voilà. Bon, je vous dis à plus. À une prochaine pour le J5 si on survit. Voilà, si on survit. Si on fait des défenses, si on survit. Allez, au revoir à tous. Et encore merci d'avoir suivi. Ça fait toujours plaisir aussi pour les 21 abonnés. Au revoir à tous. Et bon jeu sur Ordes.